Bonjour à tous et bienvenue sur La Voix des Relations. Comme vous savez, c'est toujours un plaisir de vous retrouver où on parle vraiment de tous les sujets qui nous aident à améliorer au quotidien nos relations. Et pour ce mois de juillet, comme vous l'avez pour certains vu, vous avez certainement envoyé votre candidature, j'ai lancé un appel à candidature pour pouvoir partager de manière authentique, transparente, profonde les expériences en amitié. Le mois de juillet est dédié à l'amitié. C'est un sujet qui me tient à cœur, vous le savez. Le premier livre que j'ai écrit parle de l'amitié, le code de l'amitié. Donc, si tu ne l'as pas encore lu, mais je t'invite donc à te le procurer sur lavoiesdesrelations.fr. Et avant de vous présenter mon invité du jour, qui a répondu au questionnaire dont la candidature a été retenue, c'est une invitée spéciale, vous allez le voir. Je pense que vous le voyez peut-être déjà à la vidéo, mais je veux quand même la laisser se présenter. Je te demande donc de t'abonner à la chaîne YouTube, de t'abonner aussi sur les plateformes de streaming de podcast et aussi de laisser un commentaire. Vraiment, c'est encourageant, vraiment. C'est encourageant de lire vos commentaires. C'est encourageant de voir que ben, le plus grand nombre a la possibilité d'écouter justement ces échanges profonds. Et c'est pas anodin ce qu'on va vivre ce mois de juillet de l'amitié. Donc j'ai vraiment hâte qu'on partage ça à cœur ouvert, qu'on parle de l'amitié sans tabou. Et pour aujourd'hui, comme je vous le disais, j'ai une invitée spéciale. C'est ma sœur jumelle, on est vraies jumelles. Elle s'appelle Sarah et je vais la laisser se présenter en deux phrases. Elle va nous partager une expérience en amitié qu'elle a vécue et j'espère, je prie vraiment que cette expérience trouve écho dans votre cœur et que vous puissiez vraiment améliorer vos relations au quotidien parce que c'est ça l'objectif vraiment de ce mois, c'est d'apprendre l'amitié selon les valeurs de la parole de Dieu. Donc, sans plus tarder, j'ai quand même beaucoup parlé. Bonsoir Sarah. Je dis bonsoir pour ceux Bonsoir. qui vont nous écouter, je ne sais pas à quelle heure, mais en vrai, on est en train d'enregistrer le podcast, il est minuit 15 en France. Bonsoir Sarah. Exactement. Bonsoir Sophie. Bonsoir la voix des relations. Alors, comme elle a dit, je suis sa sœur jumelle. Je suis Sarah Awa. Pour certains qui me connaissent sur les réseaux, je suis Awa Sami. Et aujourd'hui, je suis ravie d'être véritablement sur la plateforme La Voix des Relations pour partager mon expérience personnelle sur un sujet qui nous tient tous à cœur pour ce mois spécial qui est l'amitié. Tout à fait, Sarah. Et avant que tu nous partages vraiment ce que t'as à cœur par rapport à l'amitié, j'aimerais savoir que tu nous donnes en fait ta définition de l'amitié. C'est quoi l'amitié pour toi? Ok. Alors, donc comme l'a dit sa fille, on va vraiment parler à cœur ouvert. Pour commencer, je dois admettre que l'amitié n'a pas toujours été facile pour moi parce que je ne comprenais pas la définition de l'amitié. Et encore aujourd'hui, quand on me pose cette question, c'est quoi? Comment tu définis l'amitié? Je dois dire que je dois aller fouiller, me fouiller, chercher à sortir une définition qui peut vraiment correspondre, on va dire, et qui peut bien coller à ce qu'on entend aujourd'hui de l'amitié. Pour moi, l'amitié, en fait, c'est se mettre en relation avec une personne, que ce soit une personne du sexe opposé ou une personne de même sexe, c'est se mettre en relation. Donc, la définition la plus simple que je peux donner aujourd'hui, après tout ce que j'ai traversé, et surtout grâce à la voie des relations, c'est se mettre en relation. Pour moi, c'est ça l'amitié. D'accord, se mettre en relation et donc tu disais que tu vas vraiment fouiller, fouiller, fouiller pour avoir une définition. Mais quand tu entends amitié, donc tu penses à relation. Quand tu entends le mot amitié, tu penses à Oui, je relation. pense à amis, amis, donc les amis. Donc on parle bien de l'amitié pour les amis. Donc je pense à amis et je pense à relation. C'est ça. Relation. Ok. Voilà. Et donc tu veux aujourd'hui sur cette plateforme. Pour tous les auditeurs, tu veux nous partager une expérience que tu as vécue en amitié. Donc, la plateforme est à toi. Je te laisse vraiment t'exprimer et sache que ben, je pourrais peut-être te poser des questions, rebondir, peut-être aussi encourager par certaines choses. En tout cas, écoute, on est tout ouïe à écouter l'expérience que tu as vécue en amitié qui peut nous toucher, qui peut nous aider à améliorer nos relations. D'accord, donc je vais repartir au début, début, début. Hein, vous savez, on grandit avec des frères et sœurs, on grandit effectivement avec des amis qu'on peut rencontrer
surtout à l'école ou dans le quartier dans lequel on peut grandir. Donc pour commencer, en fait, je dois admettre, comme je l'ai dit tantôt, que l'amitié n'a pas toujours été facile pour moi. Parce que pendant longtemps, je ne voyais pas vraiment l'utilité d'avoir des amis. Parce que j'avais mes frères et sœurs, je connaissais plein de gens, donc je parlais avec eux. Donc pour moi, le mot amitié ne trouvait pas forcément son sens parce que, comme je l'ai dit tantôt, il fallait fouiller la définition. Je n'avais pas forcément la bonne définition de l'amitié. Alors plus profondément, j'avais surtout peur que les autres me découvrent tel que je suis. Voilà, je reviens. L'amitié, pour moi, c'était comme s'il fallait s'ouvrir. Être ami avec quelqu'un, c'est limite, la personne te connaît, quoi. La personne te connaît de A à Z. Elle sait ce que tu aimes manger, à quelle heure tu dors, ce que tu fais au quotidien. Elle sait tout ça de toi. Elle sait exactement qu'est-ce que tu fais à l'instant. En fait, c'est vraiment une personne qui est dans ton intimité. Et donc, j'avais comme une peur. Mais pourquoi les gens vont découvrir qui je suis? Enfin, pas découvrir qui je suis en tant que telle, vous me comprenez. Découvrir ce que j'aime, découvrir mes peurs, découvrir mes craintes, découvrir en fait mon intimité. Donc ça veut dire mon cœur. Et je voulais pas forcément donner accès à ces personnes-là parce que pour moi, j'avais pas la définition concrète de l'amitié. C'est-à-dire que c'était, pour moi, c'était pas forcément... c'est comme si c'était pas l'aller-retour. C'est-à-dire que pour moi, c'était seulement l'autre qui allait venir me découvrir, limite me fliquer. Et moi, comme je savais pas comment aller vers l'autre, et donc pour moi, je me disais non, ben, je laisse pas passer, voilà. Et donc j'avais vraiment peur. J'avais vraiment peur. Et parfois, cette peur m'a poussée à me protéger en évitant de nouer des véritables relations d'amitié. Là, aujourd'hui, je vous en parle comme ça parce que, ben, grâce à la voie des relations, j'ai pu comprendre, en fait, c'est quoi, comment rentrer en relation avec des gens, etc. J'ai pu comprendre que c'est limite comme impact, hein. Vous savez comment vous rentrez en relation, etc. Donc, pour moi, là, je vous le dis avec la connaissance que j'ai eue bien après. C'est pour ça que ça va être un peu simplifié, mais bon. Donc, pour moi, c'était vraiment cette crainte-là. Et c'est pas que j'ai vécu quelque chose de terrifiant dans l'amitié, parce que pour moi, je ne savais pas c'est quoi avoir des amis. J'étais toujours bien avec tout le monde. Pour ceux qui me connaissent, qui vont justement suivre ce beau podcast, je suis très ouverte, très joviale, je parle avec tout le monde. Je ne suis pas quelqu'un qui va rester genre là dans un coin quand il y a des gens. Non, au contraire, je vais aller au contact. Mais dès l'instant où la personne devait commencer à venir me poser des questions que pour moi, j'estimais que non, ça c'est moi, c'est mon intimité, c'est quelque chose que je veux laisser vraiment ne pas donner accès, je m'enfermais. Je m'enfermais clairement, je ne voulais pas. Et après aussi, je ne sais pas si vous vous êtes dit, hein, mais quand j'étais au lycée, je me dis, être amie et surtout avec les filles, c'était source de problèmes. Je pense que chacun, au moins une fois, vous avez dit que non, être ami avec des filles, c'est des problèmes parce que vous allez voir les histoires de jalousie, l'autre, pourquoi c'est toujours toi, pourquoi c'est elle qui a le beau sac, qui est bien habillée, qui est jolie. Et moi, je voulais éviter ça parce que je voyais cette autre personne qui, bah, limite, était un peu hypocrite. Elles étaient là ensemble en train de rire et dès que l'autre part, elle commence à parler mal de l'autre. Je dis, oh, c'est ça, être ami avec des filles. Et donc, c'est autant de préjugés, autant d'appréhensions qui ont fait que, bah, durant longtemps, longtemps vraiment, je ne pouvais pas dire que j'avais une amie. Même des années. Et pour moi, je n'en voyais absolument pas l'utilité. Mais, ce qui s'est passé, c'est que, bah, tout ce que j'aurais pu partager avec quelqu'un, tous les conseils que je pouvais avoir, le soutien que je pouvais avoir de la personne, je l'ai pas eu. Ça veut dire que dans mon cœur, j'ai accumulé des choses. J'étais là, je me sentais des fois terriblement seule. Je me dis, mais je vais parler à qui? Mais comme je n'avais pas la bonne définition du mot ami, j'étais là où des fois je parlais avec mes sœurs, mais je n'allais pas dans les détails. Donc j'étais pour moi en train de vivre quelque chose comme si je me renfermais. Pas comme si, mais je me suis renfermée sur moi-même. Et durant des années, eh ben, j'étais là, tout le monde pouvait me voir souriante, mais des fois ça n'allait pas. Ça n'est pas du tout. Et des fois, je me dis, mais avec qui je peux parler? Parce que je n'avais pas la bonne définition d'avoir une amie, d'avoir une personne ça, sur en fait, qui. Je veux dire aussi que tu, pendant cette période-là, tu étais déjà chrétienne, tu avais ta relation avec le Seigneur. Absolument. Mais tu ne trouvais pas quelqu'un avec qui tu pouvais
parler, avoir un soutien et te sortir. En fait, avoir une épaule, une oreille, t'avais pas ça parce que justement t'avais des appréhensions sur l'amitié. Tout à fait. Effectivement, c'était justement la partie, j'allais dire que, mais pourtant, j'étais chrétienne, j'avais ma relation avec Dieu, et je vous assure, je pouvais passer du temps assise dans la chambre en train de parler. C'est-à-dire que si une personne passait, elle devait me dire, mais Sarah, avec quelqu'un? Non, je parlais, bon, enfin, seule pour la personne qui ne sait pas, mais je parlais avec Dieu. Je disais, Seigneur, voilà, voilà. Mais c'est comme si Dieu me disait que, va vers quelqu'un, il y aura forcément quelqu'un qui peut t'écouter, il y a forcément quelqu'un à qui tu peux parler, que tu vois. C'est pas parce que Dieu ne veut pas m'écouter, au contraire, mais il a mis aussi des personnes, des gens autour de nous qui peuvent nous écouter, qui peuvent nous entendre, qui peuvent nous conseiller, qui peuvent prier pour nous. Et d'ailleurs, la Bible dit que celui qui est plus fort soutient celui qui est plus faible. C'est pas que Dieu ne peut pas aller fortifier la personne qui est faible, mais la Bible a mis vraiment en exergue la partie où on doit être ensemble, on doit se soutenir ensemble. Mais moi, vu que j'avais déjà un blocage, j'étais déjà complètement, mais quand je vous dis bloqué, mais complètement bloqué, et que pour moi, vraiment, faire rentrer quelqu'un dans mon intimité, c'est comme si la personne venait violer quelque chose, venait me voler quelque chose, et c'est, ouais. Et c'est des mots assez forts, j'avoue, mais c'est vraiment comme ça que je le vivais. C'est vraiment comme ça, parce que pour moi, soit la personne ne va pas me comprendre, soit la personne va me juger, soit, en fait, j'avais peur de tout ça. C'est que, et donc, je veux juste intervenir là. Je veux juste intervenir là pour apporter une précision qui pour moi est très importante. C'est que tu disais que tu te retrouvais seule dans ta chambre, tu parlais, quelqu'un pouvait passer à dire mais est-ce qu'il y a quelqu'un avec Awa? Mm-hmm. Et là, mais non, toi tu parlais au Seigneur et le Seigneur te disait clairement qu'en fait il faut aller vers, il y a forcément quelqu'un qui peut être là pour toi, qui peut te soutenir. Et je veux rappeler à quelqu'un vraiment qui nous écoute jusque maintenant là, c'est que il y a une solitude dans notre cœur qui va être comblée par le fait qu'on soit en relation les uns avec les autres, pas par Dieu. Parce que dans le jardin, même dans l'Éden, là où Adam était, il était en parfaite harmonie avec Dieu. Il était en relation avec Dieu. Et c'est Dieu lui-même qui a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Cette solitude dont Dieu parle là, c'était pas à Dieu de combler ça. C'était le fait qu'il apporte une aide. Et l'aide, c'est pas forcément le cadre du mariage, non. L'aide, c'est comme Sarah le disait, c'était qu'elle avait parfois besoin d'aide, de soutien, d'écoute. Et elle ne trouvait pas quelqu'un parce que, justement, la définition de l'amitié avait flouté le fait qu'elle ne puisse pas rentrer en interaction avec les autres. Donc, il est important de comprendre qu'il y a une solitude. Parce qu'il y a beaucoup qui vont dire que, de toute façon, ma relation avec Dieu, c'est suffisant. Mais il y a une solitude qui sera dans ton cœur, que tu ne pourras pas combler si tu refuses. Parce que tu arrives à un niveau où tu refuses d'être en relation avec les autres. Tu refuses de sortir de ton confort pour aller dans l'inconfort de rencontrer la différence des autres. Et c'est souvent ça qui nous freine. Et du coup, c'est bien que tu en parles parce que ces étapes-là sont importantes. Le fait que tu n'as pas la bonne définition, tu t'es retrouvé parfois dans des situations où c'était très compliqué pour toi et que tu n'arrivais pas à parler à quelqu'un parce que tu n'avais quasiment personne, même si tu étais entouré, même si tu souriais avec tout le monde, même si tu allais vers les gens, mais il n'y avait personne dans ton cœur, il n'y avait personne dans ton intimité qui était capable de te voir vulnérable sans te juger et de t'écouter. Donc, ça, c'était important que je fasse genre cette pause-là pour rappeler à quelqu'un que les relations ne sont pas anonymes. C'est pas j'ai le choix d'accepter d'être en relation ou pas. C'est que dans le fait que Dieu t'a créé, dans le cheminement de ta vie, de ton destin, c'est ça la leitmotiv de la voie des relations, c'est que tu ne peux pas réussir complètement ta vie sur terre sans interaction profonde avec Dieu, le Père, et avec les hommes, grand H. Donc, en fait, c'est pas le choix. C'est que si tu veux réussir, t'as intérêt à avoir ces deux alliés avec toi. Tu vois ce que je veux dire? Et juste c'est, après, pour te donner la parole, je vais prendre le verset de Jésus qui dit que il y a deux grands commandements dans la parole de Dieu. Il dit, aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et aime ton prochain comme toi-même. Comme toi-même. Donc, il dit, il n'y a pas plus que ça. Les deux là sont semblables. Donc, en fait, si tu veux réussir et vivre heureux sur la terre, tu as intérêt à être en relation avec Dieu et avec les hommes. C'est ça. Donc, je te laisse continuer. Exactement.
vraiment merci pour vraiment ce focus. C'était vraiment ça. Et pour moi, comme je ne comprenais pas, comme je n'avais pas, on va dire, je comprenais, mais j'avais un blocage intérieur. Et ce blocage faisait que, même lorsque j'ai rencontré mon mari, j'ai commencé à me dire que, ben, c'est mon mari, je peux commencer à parler avec lui. Et donc, j'ai commencé à parler avec lui, mais il y avait toujours cette crainte-là de jugement. Je ne sais même pas d'où ça venait, hein, mais je vais vous expliquer comment j'ai découvert ça. Mais cette crainte de jugement-là qui était là, et il y a des fois, je triais des choses que je devais dire à mon mari. Alors que, normalement, c'est ton mari, tu peux parler avec lui assez librement. C'est ce qu'on se dit, hein, mais ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est vraiment pas toujours le cas. Et donc, au fur et à mesure, pourtant, vraiment, mon mari, comme il a dit dans un des témoignages qu'il a partagé, il dit que pendant longtemps, il avait du mal à s'exprimer. Et c'est grâce à moi qu'il a réussi à s'exprimer. Mais moi, j'arrive à faire ça chez lui, mais chez moi, je n'arrive pas à le faire. C'est pour dire donc, que je raconte une anecdote comme ça. Lorsqu'on a fêté nos 5 ans de mariage, on a fait un renouvellement de vœux. Et donc, j'ai pris le micro pour témoigner. Il y a une sœur qui était là, elle est encore là, elle s'appelle Nadège Aline, elle est dans mon église à Bordeaux. Elle a pleuré quand elle est venue témoigner, elle dit c'est la première fois depuis que je connais Sarah que Sarah dit quelque chose assez librement, que Sarah s'exprime. C'était tellement émouvant, et même là encore pendant que je vous en parle, j'ai des larmes qui me montent aux yeux. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que mais en fait, Sarah, les gens sont autour de toi, ils essaient de t'aider, ils essaient de venir vers toi. Mais limite, c'est toi qui empêches l'accès. C'est toi qui, en fait, c'est pas que tu es seule, mais c'est toi-même qui empêches l'accès. Et j'avais vraiment pas la connaissance et surtout le fait de dépasser ces limites-là. J'avais pas cette capacité. Et je me suis dit, mais qui va m'aider? Mais Seigneur, aide-moi. Parce que je me rends compte que, mais en fait, mais les gens n'attendent que moi, je dis juste que venez. Okay. J'ouvre un peu la porte. Venez. Venez, ils viendront. Je me rends accessible. Exactement, ils seront là. Et quand elle a témoigné comme ça, je me suis rendu compte qu'elle a toujours été là. C'est vrai pour moi. Mais pour moi, j'avais l'impression d'être toujours seule. Et c'est là le piège dans tout ce qui est relation, dans tout ce qui est amitié. C'est que si on reste enfermé dans ce qu'on croit être bon pour nous, malgré que Dieu, quand même, dans 5 ans de mariage, et je la connaissais depuis 2007, je me suis mariée en 2012. Et donc en 2017, ça fait quand même 10 ans, mais 10 ans hein, qu'elle était là, elle attendait. Et quand il fallait être présente dans mes moments clés pour moi, elle était toujours là par exemple. Et elle attendait. Mais je vous assure que vraiment, pour ceux qui ne connaissent pas la voie des relations, moi quand ma soeur a commencé la voie des relations, je lui ai dit, elle va parler de relations. Et je dis, ok, je vais un peu entendre, lire un peu ce qu'elle va dire, parce que moi, relation, pas du tout. Même ma sœur est là, hein. C'est pas qu'on a eu des problèmes, pas du tout. Mais ma sœur, moi, entre guillemets, je viens maintenant ouvrir une parenthèse, ma sœur, c'est la meilleure des sœurs. C'est la meilleure des sœurs, pourquoi? Parce que, oui, non, c'est vrai. C'est la meilleure des sœurs, pourquoi? Parce qu'elle a su, au travers de cette plateforme, donner vie à quelque chose qui était mort en moi. Et c'est pas, on en est plusieurs, hein. On est au moins 6 filles dans la famille, hein, donc on s'aime tous d'une manière différente. Mais là, je parle de ma sœur parce que je me suis rendu compte que l'amitié, les relations, c'était quelque chose que je n'arrivais pas à bien appréhender. Pourtant, les gens qui vont me suivre ont dit non, est-ce que c'est Sarah qui parle? Non, on n'a pas l'impression. Sarah, c'est celle qui est ouverte avec tout le monde, c'est elle qui nous conseille, c'est elle qui est là, toujours présente pour nous. Mais oui, mais comme l'a dit Sarah, c'est des étapes, j'ai vécu cette solitude. Et cette solitude, pour moi, ne pouvait plus continuer. Elle ne pouvait plus continuer jusqu'au jour où, de par mon parcours, j'ai fait parcours communication, etc. Mais le Seigneur m'a poussé à aller me former dans tout ce qui est coaching. Parce que ben, j'étais prête à donner toujours des conseils. Et quand je me suis formée dans ça, je suis aujourd'hui master coach certifié. Je me suis auto-coachée. J'ai pris tous les outils qu'on nous a appris là. J'ai pris ce que la voie des relations dit, j'ai mis en face de moi. J'ai dit, bon, Sarah, on dirait que dans tes relations, il va falloir faire un point, mais un véritable point. Et quand j'ai commencé ce travail, je me suis dit, bon, premièrement, on va aller savoir pourquoi tu t'enfermes, pourquoi tu as cette peur que les gens rentrent en amitié avec toi, en fait. Donc, c'est ça, dans mon intimité. Et j'ai réalisé quelque chose de crucial. J'ai réalisé que la clé d'une vie épanouie, comme l'a dit Safi, c'est vrai, on est chrétien, on a le Saint-Esprit, on a Dieu,
Dieu, c'est le meilleur des pères. Il est responsable. Il nous donne toujours la vie, la vigueur, l'amour, tout. Mais la clé d'une vie épanouie ici sur la terre réside dans la qualité des relations qu'on a avec les gens. C'est-à-dire, moi, je me suis rendu compte de ça. Et j'ai compris que les relations saines peuvent insister. Et c'est vraiment la voie des relations. Elle a parlé à un moment donné sur la plateforme des relations toxiques, les relations saines. Elle nous a martelé avec ça. Il y a des fois même, je me dis, bon, ça, il faut que tu ailles lire. Même les articles qu'elle met sur son site internet, je vous assure, allez-y. C'est des pépites, c'est vraiment des pépites. J'ai compris que les relations saines peuvent exister et qu'il était possible de définir ce qu'est l'amitié pour moi-même. En fait, je me suis fait ma définition de l'amitié. Je me suis appropriée. Et donc, sur mon parcours de comment je me suis auto-coachée, j'ai fait un travail sur moi. J'ai pris l'étude de coaching et je suis allée explorer mes peurs. J'ai dit pourquoi j'ai peur. En fait, j'ai découvert que le problème ne venait pas des autres. Les autres, en fait, ils étaient toujours là pour moi. La preuve, c'est que c'est au bout de 10 ans, j'entends quelqu'un en relation avec moi, mais moi, j'étais pas en relation forcément avec elle. Bon, j'étais là, mais sans être là, j'avais toujours cette barrière, je ne la laissais pas entrer. J'ai réalisé que les autres étaient toujours là pour moi. Et donc, j'ai commencé à travailler les appréhensions que j'avais, ma difficulté à comprendre et à accepter ce que signifiait véritablement l'amitié pour moi. Et encore une fois, c'est pas pour faire la publicité, non, c'est pas pour faire la publicité, même si on fait un peu la pub. Mais vraiment, la plateforme de la voix des relations, je me suis assise, j'ai pris le code de l'amitié. Est-ce que vous avez lu ce livre? Je ne sais pas pour vous. Elle a écrit ça avec l'évêque Michel Ambrouet. Il y a même encore d'autres. C'est-à-dire que les deux là, je ne sais pas, c'est Dieu qui les a envoyés sur le sujet de l'amitié, des relations, pour que nous puissions comprendre que la vie sur la terre, la qualité d'une vie épanouie dépend de la qualité de nos relations. Mm-hmm. Sabine, si tu me permets, je vais lister quelques points que j'ai pu découvrir en explorant mes peurs de laisser entrer les gens en amitié. Non, j'ai découvert que... Oui, j'ai découvert que je devais premièrement identifier mes peurs concrètement, c'était quoi. J'ai reconnu que, en fait, les peurs qu'on a sont légitimes, mais qu'elles ne doivent pas me définir dans l'amitié. C'est-à-dire que, avoir peur que quelqu'un rentre dans son intimité, j'aimerais te dire ça comme ça, c'est normal. Mais tu ne peux pas rester dans cette peur-là. Parce qu'en vérité, c'est comme si maintenant on est en train de c'est comme si j'avais maintenant des préjugés sur les gens alors que je ne les connaissais pas, ils ne me connaissaient pas. Pourquoi je veux marcher ces préjugés-là? La Bible dit que l'amour ne soupçonne pas le mal, ne soupçonne pas aussi que les gens peuvent être mauvais ou les gens non. Ça veut dire que la personne qui veut être en amitié avec toi, et là encore la voix des relations a dit qu'avant de rentrer dans une relation d'amitié, c'est comme un pacte, c'est-à-dire qu'on se met d'accord. Deux personnes ne marchent pas ensemble sans s'être mis d'accord. Et c'est là que petit... Exactement, merci Safi. C'est là que petit à petit, la définition de l'amitié selon ce que Dieu veut pour moi a commencé à prendre forme. Donc j'ai identifié cette peur-là, mais j'ai dit que cette peur-là ne doit pas être un obstacle pour moi de laisser rentrer les gens. C'est moi en fait, en vérité, qui dois définir comment ils arrivent. On définit les choses, mais pourquoi je ne l'ai pas fait depuis? Mais tout ça, c'était flouté. Et je crois aussi que c'est un plan du diable de nous laisser seuls, de nous isoler et d'être là comme ça, se dire que le monde est méchant, voilà, les gens sont méchants, et que voilà, tout le monde est méchant, et que, et que Jésus, même s'il nous aime, il n'est pas là. Vraiment, il y a des personnes que je rencontre qui me disent ça, mais enfin, bref. Et aussi, j'ai découvert, pour vous parler, le deuxième point, qu'il fallait définir un cadre, comme la voie des relations nous enseigne. Définir des limites claires, des limites saines pour des relations amicales. Et c'est ce qui m'a permis de commencer à me sentir en sécurité. En me disant que c'est moi, en fait. Tu as la capacité de définir des limites. Si tu n'as pas envie de faire quelque chose, tu as le droit de dire que tu n'as pas envie. Et souvent dans les relations, les gens perdent leur voix. Parce qu'ils se disent que pour faire plaisir à l'autre, il faut toujours écouter ce que l'autre dit. Alors que si, par exemple, tu vas m'appeler, tu vas dire « Safi, est-ce qu'on peut aller au cinéma ?» Je n'ai pas envie, je te dis « Non, je n'ai pas envie. Est-ce qu'on peut mettre ça une autre fois ?» Mais il y a des gens qui ont peur de prendre cette liberté de dire non parce qu'ils se disent que s'ils disent non, ils vont être rejetés. Et ça cache encore le fait que ils sont en relation de la mauvaise manière. Ça devient toxique, limite. Juste pour se faire accepter. Voilà. Parce qu'ils ont peur d'être rejetés.
rejeter, exactement. Mmh. Moi, je n'avais pas forcément ce rejet, mais j'avais peur de, comme je disais tantôt, que la personne me connaisse dans mon intimité. Mais je ne sais pas que j'ai quelque chose de choses à cacher ou je ne sais pas que je suis, je ne sais pas. Mais j'avais en fait, j'avais peut-être peur que les gens connaissent tes faiblesses, tes limites et... Ma vulnérabilité, c'est ça, cette expression. Ma vulnérabilité, en fait, qui te voit vulnérable. Et que exactement. Peut-être qu'ils peuvent s'en servir contre toi ou bien qu'ils peuvent avoir... Voilà, qui peuvent avoir des mauvaises intentions derrière. Parce que quand tu découvres que quelqu'un a une faiblesse dans tel domaine, tu donnes limite la possibilité à l'autre d'utiliser ça pour te faire du mal. Mais si on soupçonne le mal dans nos relations, on ne peut pas vraiment bâtir en profondeur parce que finalement, il n'y a pas de confiance. Et la confiance doit être la base, tu vois. Et donc, en fait, je crois que tu avais peur de faire confiance aux gens sur qui tu étais vraiment. Parce que tu te disais, la personne va savoir qui je suis. C'est pas que tu caches que non, il y a des squelettes dans ton armoire. Hein. Non. C'était que la personne devait savoir qui tu es. En fait, vraiment, à l'intérieur de toi, ce qui est caché à l'intérieur, qu'on ne voit pas. Et je ne savais pas ce qu'elle pouvait faire avec ça. Parce que pour moi, j'avais pas la bonne approche aussi pour aller vers la personne. Et comme j'avais pas la bonne approche pour aller vers la personne, et quand bien même la personne venait de manière sincère pour être amie avec moi, comme moi je ne savais pas aller vers elle aussi pour être amie avec elle, donc je faisais le blocus. Donc quand j'ai identifié que j'ai accepté mes peurs, je dis ok, les peurs ne peuvent pas me définir. Ensuite, je me suis dit qu'il fallait définir un cadre. Donc les limites claires et saines pour mes relations. Ce qui m'a permis, comme je disais tantôt, de me sentir en sécurité et commencer à être authentique avec les gens. J'avais le droit de dire non. C'est-à-dire que pour moi, j'ai vu des personnes qui venaient en relation avec toi parce qu'elles voulaient juste avoir quelque chose de toi. Des informations. Voilà, c'est ça. Et après, le troisième point que j'ai pu relever quand j'ai commencé à m'auto-coacher, c'est que je pouvais communiquer ouvertement. Je devais apprendre à exprimer mes besoins et mes attentes, mais aussi à écouter et à comprendre ceux des autres. C'est-à-dire que c'était la balle, en fait, en vérité, était dans mon camp. C'était à moi de commencer à comprendre comment vivre des relations saines. Parce que je n'avais pas la bonne approche. Et ben, le quatrième point que tu en as parlé, hein, Safi, faire confiance. Je vous assure que progressivement, j'ai appris à faire confiance. Wow. D'abord à moi-même. Parce que si... Je ne pouvais pas laisser les gens entrer dans mon intimité, c'est que j'avais un manque de confiance en moi. Mais il y a beaucoup de personnes qui me demandent, Safi, mais comment tu fais, Sarah, pour toujours être confiante, avoir confiance en toi? J'ai dit, non, je n'ai pas toujours été comme ça. Je n'ai pas toujours été comme ça. C'est vrai que de manière, comme on dit, pour les personnes extraverties, on peut se dire que ben, ces personnes n'ont peur de rien, etc. Ce n'est pas vrai. Il y a des personnes qui, justement, dans leur extravagance, vont s'exprimer de manière à ce qu'une certaine confiance se dégage. Mais la confiance, elle est d'abord à l'intérieur. Donc, j'ai commencé à me faire confiance, puis progressivement à faire confiance aux autres, en réalisant surtout que l'amitié pouvait être un espace de partage et de croissance mutuelle. J'ai compris ça, Safi. Merci pour la voix des relations. Non, c'est vrai. Parce que surtout un espace de sécurité aussi. Oui, parce que par la voie des relations, je me suis dit, mais en fait, le cadre, c'est moi. C'est avec l'autre. Si on se met d'accord, mais en fait, c'est comme si on mettait une barrière de sécurité autour de nous. Et maintenant, on commence... Vous bâtissez en fait une relation. C'est comme si vous voulez bâtir une maison, vous vous accordez sur les plans de la maison. Est-ce que vous voulez une maison à 2 étages, 3 étages? Donc, vous devez travailler sur les fondations, vous devez travailler sur la couleur, la déco. En fait, vous le faites à deux. Et en fait, c'est normal. Vous vous asseyez, vous dites, ok, on veut être amis toutes les deux, par exemple. D'accord, on veut être amis. D'accord, tu es d'accord d'être amie avec moi? Oui, je suis d'accord. Voilà. C'est pas parce qu'au moment où vous dites que vous êtes d'accord, vous êtes déjà des amis. Là, vous commencez à marcher ensemble. Parce que l'amitié, c'est un parcours. C'est un chemin qu'on parcourt ensemble. Donc, au fil du temps, il faut faire confiance au temps.
tu essaies d'analyser, de voir la personne, est-ce qu'elle rentre vraiment dans ce que je cherche, dans ce que je veux, les objectifs de les ma valeurs, vie. Les valeurs, j'ai commencé exactement. Là où je vais, les valeurs. Il y a tellement de choses comme ça que je détaille même dans mon livre, Le Code de l'amitié, que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur lavoisdesrelations.fr, que vous allez voir toutes les étapes. C'est pas parce que tu viens de rencontrer quelqu'un que c'est déjà ton ami. Et là, aujourd'hui, Sarah, elle nous parle vraiment d'un cheminement intérieur qu'elle a eu. C'est pas qu'elle était seule chez elle, enfermée dans une chambre. Sarah, c'est quelqu'un, depuis que je la connais, c'est elle qui parlait le plus avec tout le monde. Moi, je parlais pas. Parce qu'on est restés ensemble au moins jusqu'à nos 22 ans, par là. C'est ça. Moi, j'étais pas comme ça. Je disais, mais comment elle arrive à parler avec autant de personnes, à débiter des paroles. Parfois, elle parle. Elle raconte des choses intéressantes. Elle est intéressante. Elle a peut-être dit 5000 mots, moi je suis qu'à 200 mots, c'est que j'ai même pas encore. En fait, Sarah, c'est une personnalité très joviale, très solaire, et là, elle vous raconte un cheminement intérieur. C'est que elle était comme ça, ce n'était pas seulement de l'apparence ou quoi, parce qu'elle est comme ça. Sauf que sa personnalité externe et sa personnalité interne ne matchaient pas encore ensemble parce qu'elle avait beaucoup de choses qu'elle ne comprenait pas. Elle n'avait pas de connaissances sur des aspects importants de sa vie. D'où la douleur, la solitude qu'elle a ressentie a poussé Sarah à aller justement affronter ses peurs, affronter le manque de lumière qu'elle avait sur les aspects de sa vie, notamment dans les relations amicales. Qui fait que elle s'est auto-coachée. Elle a pris la responsabilité de ce qu'elle ressentait, la responsabilité de ce qu'elle vivait à l'intérieur en disant ça suffit. Et aujourd'hui, vraiment, toi qui écoutes, c'est toi qui dois prendre la responsabilité de tes émotions, la responsabilité du fait que tu ne connaisses pas les choses. Et il faut avoir assez de sagesse et de maturité de reconnaître que tu ne connais pas. Parce qu'aujourd'hui, certains vont dire de toute façon, non, c'est bon, en fait, tu n'arrives même pas à accepter que tu ne connais pas. Si déjà tu n'arrives pas à accepter que tu ne connais pas et tu n'arrives pas à aller affronter tes peurs, avoir ce cheminement intérieur, parce que l'amitié, c'est pas seulement que tu retrouves quelqu'un pour aller boire un verre, vous retrouvez parfois au cinéma. Non, l'amitié commence à l'intérieur. En fait, tout se passe à l'intérieur. Ce qui se reflète à l'extérieur, c'est ce qui commence d'abord à l'intérieur. Donc, si... Et Sarah a eu ce cheminement-là qui fait qu'elle nous raconte vraiment une expérience. Pour moi, c'est personnel, mais elle dit aujourd'hui avec ses mots, et c'est très courageux, très sage, et ça va encourager beaucoup de personnes à dire qu'il faut accepter l'état dans lequel tu es à l'intérieur de toi. Ne te voile pas la face. Aujourd'hui, on a dit qu'on parle de l'amitié sans tabou. L'amitié commence d'abord à l'intérieur. Tu dois d'abord être ton ami toi-même, comme elle a dit. Elle manquait de confiance d'abord en elle-même parce qu'elle avait peur que les gens connaissent ses peurs. Donc, elle manquait d'une certaine manière la confiance. Donc, tu dois accepter ça. Tu dois accepter l'état dans lequel tu es à l'intérieur de toi. Personne ne peut savoir comment tu es à l'intérieur de toi, sinon toi-même. Et parfois, si tu n'arrives pas à mettre des mots dessus, je t'encourage à prier. Le Saint-Esprit est une lumière sur notre sentier. Ça, la parole de Dieu est une lumière. Donc, il va forcément emmener la lumière là où tu ne vois pas. Mais si tu acceptes déjà que tu es dans les ténèbres, que tu acceptes ces ténèbres-là en disant que je veux aller vers la lumière, tu vas aller, tu vas arriver, il y a des solutions. Ce soir, on est là, on parle de ça et je prie que ce que Sarah a dit apporte la lumière dans ton cœur. Parce que ce cheminement-là, c'est pour aider une personne qui n'arrive pas à se mettre en relation parce qu'elle a peur. Et les peurs ne doivent pas contrôler, justement, comme elle disait, les relations que tu dois avoir. Parfois, Dieu t'envoie des connexions divines. Parfois, Dieu t'envoie des bénédictions. Mais comme tu as barricadé ton intimité, ton cœur, mais du coup, tu n'arrives pas à connecter avec les gens. Tu te dis que non, je n'arrive pas, peut-être que ce n'est pas les bonnes personnes. Mais en fait, non. C'est parce que tu n'as pas encore accepté qui tu es à l'intérieur de toi. Et c'est tellement important, c'est une expérience vraiment incroyable. Ce que tu nous as dit ce soir, Sarah, c'est incroyable parce que les gens, aujourd'hui, en fait, ont peur d'affronter leur peur. Absolument. Les gens ont peur d'aller à l'intérieur d'eux-mêmes. Exactement. Les gens ont peur de voir ce qui ne va pas. Les gens ont peur, en fait, parfois ils ont peur, parfois ils sont paresseux. Parce que ça demande une force d'affronter ses peurs. Ça demande une force de faire un travail sur soi, de s'auto-coacher, comme tu as dit. Il faut être fort.
Parce que quand tu dois, on te dit que tu dois aller creuser un trou de 300 mètres, bon j'exagère, 300 mètres c'est énorme, genre de 1 mètre de profondeur, c'est de l'effort. Et on, te dit de faire ça dans ton intelligence. Les paresseux émotionnels ne peuvent pas vraiment affronter ceux qui sont à l'intérieur. Et ils auront du mal à connecter en profondeur avec les autres. Quand tu es paresseux émotionnellement, quand tu refuses, en fait, pour toi, tu te dis, oh, il faut encore réfléchir, c'est trop. Tu te dis, non, franchement, je prends ce qui vient. Je veux prendre ce qui vient et tout. Non, c'est pas comme ça. C'est vraiment pas comme ça. Quand tu vois même que Jésus a pris 24 heures de temps de prière avant d'aller choisir ses disciples, c'est pas pour rien. On ne prend pas ce qui vient comme ça. On ne se connecte pas avec les gens comme ça. Ta personne est importante. Ne te fais pas avaler dans les relations amicales. Et ce cheminement, moi, je trouve ça incroyable parce qu'on n'en parle pas souvent de ce qui peut se passer à l'intérieur de nous. Et ton expérience est juste incroyable parce que c'est ça, c'est la vérité. On se met en relation, c'est nous qui nous mettons en relation avec quelqu'un d'autre. Mais tu ne peux pas te mettre... Ce n'est pas ton haut qui se met en relation avec quelqu'un d'autre. Ce n'est pas ta bas qui se met en relation avec quelqu'un d'autre, même si ça t'appartient. C'est toi. Et le toi, ce n'est pas d'abord ce qu'on voit là, nos visages, non. C'est d'abord qui tu es à l'intérieur de toi. Et ce que tu dis, c'est vraiment ça, Safi, c'est vraiment l'intérieur. Et là, je ne parlais juste que par rapport à l'amitié, puisqu'on parle de l'amitié. Mais c'est un travail que Dieu m'a emmené par ma formation de coach à faire sur toute ma personne. Mais ma personne, donc on dit qu'on est un esprit, on a une âme, on a un corps, sur toute ma personne, dans son entièreté. Et aujourd'hui, je peux dire vraiment... avec beaucoup de fierté, merci Seigneur, que j'ai pu ouvrir cette porte. Cette porte, et j'accepte que les gens commencent à rentrer dans mon intimité. Et Amen. La première personne que j'ai laissée entrer totalement, c'est mon mari. Aujourd'hui, c'est mon meilleur ami. C'est-à-dire que je peux parler avec lui. Avant, ce n'était pas le cas. Et dans quelques jours, on a 12 ans de mariage. Et c'est pour dire qu'il a fallu toutes ces années-là pour arriver à ça, pour être totalement en confiance et en sécurité avec mon mari lorsque je parle avec lui. Et c'est beau ça, c'est pour encourager quelqu'un que c'est pas du jour au lendemain. Ça peut prendre des années. Et exactement. Ne te décourage pas, ne sombre pas dans le fait que tu n'y arriveras jamais, non. Mm-hmm. Écoute ce que Sarah dit aujourd'hui, dans quelques jours, ils ont 12 ans de mariage, et voilà, c'est un cheminement de plusieurs années. Donc ne te décourage pas. Non, mais vraiment, ne te décourage pas dans le sens où ne te dis pas que c'est impossible. Ça fait tellement longtemps, tu as tellement essayé, mais continue à essayer. Pourquoi je dis ça? Parce que dès l'instant où le Seigneur m'a emmené à rentrer à l'intérieur de moi, ça fait peur. Et sa fille a dit, il faut avoir une force spirituelle, une force mentale vraiment très, très élevée. Et ça fait que quand tu regardes à l'intérieur de toi, tu as l'impression que c'est pas possible. Ce que je suis en train de voir, ce n'est pas moi. Ce que je suis en train de voir actuellement dans mon cœur, ce n'est pas moi, mais c'est toi. Tu as accumulé les rancœurs, tu as accumulé les rancunes. La Bible parle des racines d'amertume. Tu as accumulé le manque de pardon. Et dans tout ça là, tu veux avoir des amis. Mais laisse-moi te dire que l'amitié que tu vas avoir avec les gens ne sera pas authentique. Elle ne va pas avoir un bon parfum. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de toi, il y a déjà trop de saleté. Il y a déjà trop de choses qui vont venir faire obstacle. Dans le sens où, si quelqu'un va vouloir te faire du bien, toi, tu vas avoir du mal. Parce que tu regardes avec le regard de la fille qui est blessée, la fille qui est rejetée. Et donc, tu ne pourras pas accepter l'amitié sincère et saine que l'autre voudra t'apporter. Et c'est de là où j'ai dit, Seigneur, non, j'aimerais être authentique dans mes relations. J'aimerais être vrai, parler de manière vraie. Avec ma sœur aujourd'hui, c'est quand elle a donné justement le fait de venir répondre au mois de l'amitié, j'ai dit, ah tiens, je vais y aller. Mais la relation avec ma sœur a changé. C'est pas qu'on était en problème, mais c'est qu'aujourd'hui, je peux voir ma sœur, mais je peux aussi voir une amie. Je peux aussi voir une amie, elle est en train de le construire. Et je lui ai dit, j'ai l'impression de découvrir, avant ma sœur qu'elle me disait non, avant je disais que mon Dieu, mais elle peut pas me dire un peu oui. Parce que quand elle dit non, mais elle reste sur son nom. Elle a dit non. Je dis, mais sa fille, il vient par exemple. Non, là, non, je ne peux pas aujourd'hui. Je dis, oh,
Mais, et en plus, elle est stoïque. Et je ne comprenais pas ça. Je ne comprenais pas ça. Mais c'est en apprenant. Vous savez, quand on est ignorant, l'ignorance va nous faire penser des choses qui ne sont pas vraies. Et le diable utilise l'ignorance pour emmener sa vérité. Et la vérité du diable n'est que mensonge. Parce que la Bible dit qu'il parle de son propre fond. C'est le père du mensonge. Donc l'ignorance là peut faire que dans l'amitié, tu peux te perdre avec l'ignorance. Et comme je dis encore, béni soit le Seigneur qui a suscité la voie des relations. Et pour vraiment finir mon propos, merci encore Safi pour l'opportunité. Parce que je crois que plusieurs personnes vivent ça, vivent vraiment des peurs intérieures. Et je peux dire également que le coaching, la formation que j'ai faite m'a aidé. Elle m'a vraiment aidé à transformer la perception de l'amitié et à surmonter mes peurs intérieures. Je suis convaincue que chacun de nous, on peut créer des amitiés saines en travaillant sur soi et en définissant ce que signifie l'amitié pour nous-mêmes. Tu n'es pas obligé d'être ami comme. Moi, déjà, j'aime pas le mot là. Je veux faire comme. Ou je veux aussi. J'aime pas ça. J'aime être authentique. Donc, tu peux aujourd'hui vraiment définir ce qu'est l'amitié pour toi. Vraiment, merci de m'avoir écouté. Et j'espère que mon petit parcours que j'ai pu partager ce soir pourra inspirer ceux qui, comme moi, ont pu éprouver des difficultés aujourd'hui à s'ouvrir aux relations amicales ou à se lier d'amitié avec des personnes. Donc voilà. Waouh. Non, c'est trop beau, c'est magnifique. C'est pas un petit parcours, c'est le parcours d'une vie. Et merci Sarah, merci d'avoir pris ce temps d'être vulnérable dans ce podcast, dans cette vidéo, pour nous partager ton parcours, tes peurs intérieures, le cheminement que tu as traversé pour arriver enfin à t'ouvrir, à faire confiance et à avoir un meilleur ami qui est ton époux. Ça c'est génial. Coucou Mika. Non mais c'est une liberté hein. Aujourd'hui vraiment, si vous voulez être mon ami, écrivez-moi. On va se connaître. On voit si c'est faisable. Non, c'est vraiment, c'est un grand parcours et pour vraiment vivons déculpabiliser quoi. Ne culpabilisons pas d'avoir encore certaines blessures qu'on peut avoir. Vous savez, quand on rentre en relation, personne n'est parfait. Vraiment. Non. Personne n'est parfait et souvent les gens qui sont blessés et qui ne sont pas guéris ou qui ne sont pas sur le chemin de la guérison vont chercher à être avec des personnes parfaites parce qu'elles vont se dire que si les personnes là sont parfaites, elles ne pourront plus me faire mal. Sauf que personne n'est parfait. Et la trahison n'existe que dans les relations. Tu ne peux pas trouver la trahison en dehors des relations. Et ceux qui disent que non, mais que tu m'as trahi, c'est fini, mais en fait tu te trompes. Il y a des trahisons qui vont être là. Il faut avoir le courage de pardonner et la maturité d'accepter le pardon. Et en fait, pourquoi je parle de trahison, c'est vraiment un exemple pour te dire que quand tu vas être en relation, il va y avoir des choses qui vont te faire mal. Il va y avoir des choses qui vont te frustrer. Il va y avoir des choses qui vont te blesser. Il va y avoir des choses. Donc en fait, même en étant en relation, tu vas devoir travailler sur toi, accepter de guérir et continuer la relation. Il y a certaines relations qui vont peut-être s'arrêter parce que la saison est terminée. Et il y a des relations que Dieu va t'envoyer, qui seront des connexions divines pour toute ta vie. Mais dis-toi que même si c'est Dieu qui t'envoie ces relations-là, tu vas rencontrer des difficultés, des incompréhensions, il y aura des disputes, il y aura des choses qui vont te faire mal. Donc, déculpabilisons, nous sortons du registre où on doit être en relation et tout doit être parfait. Le cheminement de Sarah continue. C'est pas que là, comme elle a réussi à s'ouvrir, c'est fini. Non, ça continue. Et ça continue pour te dire toute ta vie. Ce sera toute ta vie. Découvrir, parce que quand on est en relation avec quelqu'un, on découvre parfois des choses qu'on ne savait pas sur nous-mêmes. Tu n'aurais jamais su que tu pouvais faire ça si tu n'étais pas en relation avec telle personne. Donc, vraiment, c'est pas un petit parcours. Là, tu viens d'ouvrir vraiment un chemin de compréhension sur comment on arrive à se mettre en relation amicale, en ayant même parfois la peur de s'ouvrir, la peur de faire confiance. Mais c'est incroyable de le voir aussi. Tu le disais tout à l'heure qu'il y a une des amies qui était là presque 10 ans avec toi, qui est restée là à attendre devant ta porte. Et c'est un peu le message même que Jésus nous montre dans la parole de Dieu. Il dit, il est là à la porte, il frappe. Il est là à la porte des frappes. Tant que tu n'ouvres pas, tant que tu ne donnes pas accès, il ne peut pas forcer.
il ne rentre pas. Donc vraiment, c'est pas un petit parcours, c'est un parcours qui, pour moi, va déblayer les chemins de plusieurs cœurs quand ils vont l'écouter. Absolument. J'espère que c'est vraiment ton cas, que tu as écouté ce soir et vraiment que ton cœur soit libre d'être en relation et surtout que tu sois en étant toi-même. Pas en faisant semblant, mais en étant toi-même, qui tu es à l'intérieur de toi. Comme je disais, pas l'enveloppe là, qui tu es à l'intérieur de toi. Ton âme, c'est ça, l'âme. Être authentique. Ouais, c'est ça. Et pour finir, vraiment, c'est vous rappeler que la relation amicale, c'est deux âmes qui s'attachent. Quand la Bible parle de Jonathan et David, la Bible dit que Jonathan a aimé David comme son âme. Ils se sont attachés. L'amitié de Jonathan et David, c'est deux âmes qui s'attachent. Donc, c'est pas d'abord deux corps, c'est pas d'abord deux apparences, c'est pas d'abord deux apparats, c'est pas d'abord deux richesses, deux... Non, c'est deux âmes. Et ton âme, c'est les émotions, tout ce que tu es à l'intérieur de toi. Donc, vraiment, le parcours de Sarah, c'est un parcours intérieur. Chacun va devoir prendre le courage d'aller affronter qui il est à l'intérieur pour vous pouvoir bâtir des bonnes, Absolument. Des saines, profondes, des authentiques relations amicales. Vraiment, merci, et Sarah. Et vraiment, là, ça, si tu me permets, c'est vrai, vous pouvez le faire chez vous, mais la voie des relations a été pour moi un soubassement, une plateforme. Et en même temps, comme je vous ai dit, je me suis fait former et j'ai pu avoir les outils et j'ai prié aussi. J'ai écouté des messages, que ce soit de mon église, de mes pasteurs, etc. Et donc, je me suis auto-coachée. Mais si tu sens que tu n'es pas capable de le faire toute seule, ne reste pas seule. Cherche quelqu'un qui pourra t'aider à faire ce parcours intérieur. Ne reste pas seule. C'est ça. Et je crois que tu peux rejoindre la communauté La Voix des Relations. Exact. Parce que, en dehors des réseaux sociaux, j'ai créé une communauté qui fait qu'on se retrouve parce qu'on a le désir de vouloir réussir nos relations. Et dans ce parcours-là, il y a plusieurs modules de formation qui nous parlent des fondements bibliques des relations, pourquoi les relations, pourquoi Dieu dit que les relations sont importantes pour nous. Et il y a vraiment tout un module de formation. Il y a des temps de prière par semaine. Il y a vraiment une communauté où on échange ensemble, on parle ensemble, on prie ensemble. Chacun donne ses témoignages, ses peurs, etc. On est ensemble parce qu'on a décidé de vivre et de réussir nos relations. Et même en dehors de ça, il y a vraiment aussi des gens qui sont invités par des masterclass à venir aussi nous donner des clés. Et je crois que ce qu'on fera, c'est vraiment aussi recevoir Sarah en masterclass parce qu'elle a aussi des formules qui accompagnent justement pour parler du cœur. Le cœur, c'est l'âme à l'intérieur de nous, pour Absolument. Parler de notre cœur. Et donc, du coup, c'est vraiment que si tu te sens seule dans ce parcours et tu n'as pas envie de te sentir seule, rejoins la communauté La Voix des Relations. C'est vraiment une communauté de personnes qui ont fait le choix de vouloir réussir leur relation. Et donc, tu peux nous rejoindre. Tout simplement, tu vas sur lavoisdesrelations.fr, tu vas voir communauté-lvdr. Tu cliques dessus, tu as toutes les informations. Et je t'assure que y a une, pour donner un petit témoignage avant de terminer, qui a rejoint la communauté en disant qu'elle n'avait plus envie d'être en relation parce qu'elle a vraiment souffert de rejet et elle a vraiment souffert du fait que les gens ne comprenaient pas qui elle était, ce qu'elle voulait dans les relations. Et quelques semaines, mais je dis bien, je tiens mes mots, elle va témoigner. Quelques semaines après, elle a repris goût aux relations. Elle dit, merci vraiment pour la communauté des relations parce que j'ai compris. En fait, le monde, elle me dit, mais c'était comme une lumière. J'ai compris. Mais je dis, la voix des relations, c'est une lumière. C'est une lumière qui vient éclairer l'ignorance dans laquelle on est plongé dans les relations. C'est ça. Et j'ai compris. J'ai dit, mais voilà, continue ton parcours. Elle a commencé à créer des outils elle-même pour s'aider elle-même, justement, tout pour sortir de ce casque qu'elle avait mis autour de son cœur. Voilà, vraiment, rejoins la communauté. C'est disponible. Tu peux rejoindre la communauté et on recevra Sarah pour nous donner des outils spécifiquement sur le cœur. Merci. C'est ce qui m'en suit le cœur et merci encore d'avoir pris le temps de nous parler de ton parcours sur l'amitié. Ça m'a beaucoup béni de t'écouter et je crois que ça bénira aussi toutes les personnes qui vont nous écouter, qui vont regarder la vidéo. Et si tu as un mot pour la fin, on va terminer et voilà. Ok.
Ce que j'aimerais dire à la personne qui est restée jusqu'à la fin, c'est que pour moi, j'ai compris que au-delà de l'amitié physique, le mot même amitié pour moi est spirituel. Et elle a parlé de Jonathan et David qui s'attachent. Mmh. Et j'ai compris que depuis que j'ai ouvert cette porte avec mon mari, il y a eu un niveau d'attachement qui est passé à l'étape supérieure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec mon mari, j'ai vraiment l'impression que, c'est pas une impression, mais je peux absolument compter sur lui. Je me sens en sécurité. Et ça, je me suis dit, Seigneur, il faut que je sois maintenant capable de le faire avec une autre personne. Et c'est ce qui est en train de se passer. Je vis des choses que je n'ai jamais vécues. Le fait d'avoir été sorti de l'ignorance et de ce mot-là qu'on appelle, d'un petit mot, mais qui fait des dégâts, mais des bons dégâts, des dégâts positifs aussi. Ne voyez pas des dégâts forcément négatifs, mais des dégâts positifs dans la vie de quelqu'un. Ce petit mot amitié a ouvert pour moi des perspectives, des choses que je suis en train de vivre que je ne pensais pas pouvoir vivre. Être avec des personnes, se sentir en sécurité, parler sans forcément avoir en train de réfléchir, etc. C'est-à-dire que même mentalement, j'avais une charge. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu et par le fait que j'ai pu prendre à deux mains le fait que je ne dois pas rester dans cet état, je me suis connectée à la voie des relations. Je me suis connectée à moi-même, je me suis connectée au Saint-Esprit, je me suis connectée aux formations que j'ai pu faire, où il m'a inspirée. Et aujourd'hui, je suis celle que je suis. Et comme sa fille a dit, ce n'est que le début. Et je le vois tous les jours, je vis des choses extraordinaires. Elle et moi, là, on vient de passer une journée que je ne pensais pas pouvoir vivre avec ma sœur. C'était simple, beau, c'était tellement beau, mais je vous assure, même là où je suis, j'ai dit, mais en fait, je viens de passer une journée avec ma sœur. Elle m'a juste demandé, est-ce que tu veux venir avec moi aujourd'hui? J'ai dit oui. C'est dans mon programme et je suis allée sans une aucune appréhension. C'était tellement... En fait, sortie de l'ignorance, de l'amitié, la vie devient simple. Ça devient tellement simple. Et je crois que ça peut devenir simple aussi pour toi, si tu fais le pas. Comme elle a dit, connecte-toi. La communauté, LVDR, c'est là, c'est disponible. Prends les clés. Je t'assure, pour toi-même, tu vas commencer à vivre des choses extraordinaires. Et c'est dedans là que Dieu nous donne à chacun d'avoir des connexions divines. Mais si tu ne sais pas encore te connecter avec des gens que tu as autour de toi et que tu peux penser qu'avoir connecté avec une personne qui est très loin, laisse-moi te dire que tu es en train d'aller dans le mauvais sens. Connecte-toi d'abord avec toi-même et connecte-toi avec les gens. Et aujourd'hui, c'est encore possible. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Merci beaucoup, Sarah. On se dit à très vite et dès que c'est disponible, ça va être disponible en podcast audio sur toutes les plateformes de podcast, donc Apple Podcast, Spotify, Podcast et tout, et ça va aussi être disponible sur ma chaîne YouTube, La Voix des Relations. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner justement à tous ces... Voilà. À laisser un commentaire, à partager. Et si vous avez des questions, comme j'ai l'habitude de le dire, vous pouvez envoyer vos questions, votre partage à lavoixdesrelations@gmail.com. Ce sera un plaisir de vous lire, de vous répondre. Que Dieu vous bénisse et le mois de l'amitié commence très, très, très fort. Yes! Allez, à bientôt. Ciao! À bientôt!